Alors, cette femme, elle a un double rôle puisqu'elle joue le rôle de la mère et elle joue le père aussi. Oui. Donc, est-ce qu'on arrive à dissocier les deux quand on joue un personnage comme ça, en plus de tout le reste? Non, mais je pense que c'est vraiment une mère. Non, c'est... Dans toute sa splendeur. Dans toute sa splendeur, c'est une mère. Après, elle assume le rôle du père parce que le père n'est pas là. Donc elle assume un côté brutal. Enfin, brutal, le père n'est pas forcément brutal, mais un côté autoritaire. Voilà. Se démerde aussi. Financièrement, c'est elle qui est aux commandes. Donc... elle a toute la responsabilité. Donc, oui, ça s'exprime peut-être par un côté plus brut. En tout cas, la féminité est plutôt gommée, oui. Mmh. Oui. Contrairement aux promesses à la promesse de l'aube avec Mélina Mercouri, justement, là, la femme est sous... Alors, je l'ai pas vu. Vous l'avez pas vu? Non, et Eric a pas voulu... Je l'avais pas vu quand j'ai lu le scénario, et Eric a pas voulu que je regarde. Il voulait pas. Ouais. Donc, je l'ai écouté. Ouais. Non, mais c'est bien, mais là, vous verrez la différence si vous voyez après. Parce que... Elle est plus glamour. Ah oui. Ah oui. Elle porte plus le côté féminin. Mais en même temps, c'est pas du tout c'est pas le même parti pris non plus. Avoir moins souffert que... Ah oui. Ah oui, l'accès social est moins abordé. Ah, d'accord. C'est intéressant parce que c'est vrai, c'est un hymne, on le disait avec Eric, c'est un hymne pour... c'est un film pour Mélina, quoi. Jules Dassin a fait ça pour... Oui, c'est un hommage à Mélina Mercouri, sa compagne. Oui. C'est vrai que c'est ça, en fait. Eh oui. Est-ce qu'il vous a laissé plonger, vous nourrir du roman de Guerini et éventuellement d'autres sources pour le rôle, ou au contraire, vous avez demandé des ressources? Non. On avait tous le livre en poche. Cornet, aligné. Non, c'était le roman avant tout. Après, moi j'étais moins... C'était pas un roman que j'avais lu avant, donc je le découvrais après le scénario. Donc mes émotions premières, elles sont passées par le scénario, qui était proche du roman. Hein, c'était des vases communicants, mais bon, comme source d'inspiration, le roman. Et après, les bribes qu'on avait de la vraie Mina, parce que Eric était allé un peu explorer, il est allé à Vino, il est allé voir un peu d'où venait Romain Gary. Si tant est que quelqu'un sait d'où il vient, parce que honnêtement, c'est toutes les pistes sont tellement brouillées qu'on n'en sait pas, enfin, on n'est pas sûr de ce qu'on sait. Donc, il y avait trois, quatre photos d'elle. Et après, moi, c'est tout ce qui me parlait, c'était ma famille à moi. Donc, c'est ça qui... Ça, c'est ce que moi, j'ai... C'est ma cuisine secrète. Parce que j'en parlais pas beaucoup à Eric. Parce que je sentais que pour lui, c'était Romain Gary avant tout. Moi, bien sûr, mes grands-parents, ça me parlait plus. Donc j'ai eu tendance à avoir beaucoup de réminiscences de ma grand-mère et à avoir une inspiration, en tout cas, de là où je viens. Donc c'est à moitié fantasmé, à moitié ce qu'on m'a raconté. L'amour de la France, c'est vraiment quelque chose qui résonnait pour moi de tout ce dont mon père m'a parlé, de ses parents, de cette envie d'aller en France et pas ailleurs. Et c'était vraiment le but, c'était la France. Et pour des raisons culturelles comme la mère de mon père. Il y avait quand même plein de parallèles que je pouvais faire, qui étaient très étonnants d'ailleurs, mais je les gardais quand même.